le langage sur le colonialisme en disant que c'est un peu un fonds de commerce pour certains qui les empêche finalement d'aller de l'avant, oui, et de regarder autre chose, les réfugiés, les situations d'aujourd'hui, plutôt que de toujours se tourner vers ce qui s'est passé avant. Et vous savez qu'en le disant, j'imaginais déjà la volée de bois vert. Mais ça ne me fera pas reculer sur mon opinion. Je considère qu'on peut toujours s'émouvoir du nombre de victimes de Néron. Hélas, nous ne pouvons plus rien pour elles. Donc, écoutons les douleurs d'aujourd'hui. Essayons de trouver des solutions. Je n'ai pas demandé l'amnésie. Voilà, on peut commémorer, penser à enseigner l'histoire, savoir exactement qui nous sommes, d'où nous venons. Et moi, je ne veux pas que le souvenir voile l'horizon. J'ai envie d'avancer. Donc oui, certes, nos douleurs ont existé, mais vous savez quoi, les malheureux d'aujourd'hui, eh bien, je peux tenter quelque chose pour eux. Les malheurs d'avant-hier ou des siècles précédents. Moi, je vous